Bonjour, bonsoir à tous, on est de retour sur Final Fantasy XII. Dans le dernier épisode, on voulait juste chercher des magies et on a eu Excalibur et Léon Ultima. C'était plutôt une bonne trouvaille. Mais bon, je suis donc toujours sur le Grand Cristal. Il me reste trois... Je vais équiper Excalibur. Oh là. Ah ouais. Ah ouais, 127 en stats Excalibur quand même. Il reste 3 objets rares à choper dans le grand cristal de Gilvegan. Avant ça, j'aimerais voir... Alors, Ultima, qu'est-ce que ça donnerait à Van en tant que maître d'Ast? Ça donnerait sap physique, je m'en fous. Bonus de magie, bonus de magie, bonus de magie, je m'en fous, j'utilise pas la magie avec Van. Balsier en moine, ça sert à rien. En mage noir... Allonge. Il n'y a pas vraiment besoin vu qu'il a un bâton. Pour Fran en mage lame rouge, ça donnerait Claymore, lame gardienne, justicière. C'est pas trop mal, mais en même temps, j'aimerais bien la garder en tant qu'archère. Flux vital, 1000 épines. Ouais. Pour Ravageur, c'est déjà fait. Shikari, science des queues de phoenix, je m'en fous. Pour Chevalier. Ah bah, je pense que ça va être obligé, hein. Allonge et bonus de force. Je vais donner tous mes éons à H, hein. Mais bon, la combinaison chevalier-bouchier, apparemment... Transmission, inflige des altérations d'état du personnage à un ennemi, ok. C'est pas mal aussi comme compétence, ça. Alors, pour Penelo, chronomancienne... Ouais non, fallait vraiment un truc de ouf pour que je me dise je vais le prendre avec Penelo, mais bon. Allonge et bonus de force. Je donne tous mes éons à H. C'est pas ce que j'avais prévu à la base, mais clairement, allonge, ça va me servir. Même s'il va falloir que je la trouve, cette compétence, cette technique plutôt. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Rien de particulier, je crois. Donc... Il me reste à choper 3 coffres, dont un qui a un sort qui va bien m'intéresser. Mais je vais montrer lorsque j'arrive devant les 3 coffres. Alors c'est un sacré labyrinthe, hein. Vraiment un sacré labyrinthe, mais si on finit par s'y repérer, ça vaut le coup. Alors, je demande une seconde parce que... Ouais, c'est bon. J'avais l'impression que OBS n'enregistrait pas mon jeu. Mais regardez un peu ce qu'on peut trouver. Oh là là. Oh là là! Voilà, ça coûte plus cher, mais voilà, Penelo perdra moins de temps, vu qu'à chaque fois elle relancera un bon célérité 2, tout le monde sera concerné. Et ça, c'est un sort en moins que j'aurai à aller chercher. Il me manque deux choses à chercher dans le grand cristal. Et elle devrait être plus simple à obtenir que ce que j'ai dû galérer pour avoir là, donc je m'en occupe. Eh ben, on a enfin trouvé ce pourquoi j'étais venu à la base, donc mieux vaut tard que jamais. Oh la vache, ça spawn à fond des nécrophobes. Après le truc c'est un level up pour Penelo. Et oui, ils vont tous être level 60 avant que H soit level 79, hein, ça a l'air d'être bien embarqué. Van devrait être pas loin du level 60. Et le truc c'est que maintenant que j'ai Excalibur, voilà, H fait constamment plus de 10 000 de dégâts aux fantômes. Déjà qu'à la base j'arrivais à les battre, même difficilement j'arrivais quand même. Là, avec tous les level up plus H qui a Excalibur, c'est fini pour eux quoi. 4 cristaux de ténèbres, ouais mais c'est bon, j'en ai plus de 100, enfin j'en ai 99 quoi donc... Je vais me faire plaisir en vente, moi. Faut que je partirai de ce cristal de mort, là. Allez. Enfin, après, je vais me faire plaisir, mais c'est pas pour autant que je pense que je serai capable d'acheter le fameux objet du club de chasse à 1 million de gil. Je pense pas que je les aurai atteints. Il faut que H arrête de soigner et attaque. Voilà, parce que dès que elle attaque, bizarrement... Il n'y a plus d'ennemis. Vous êtes sérieux. Là.
Voilà. Barrière 2, je vous remercie. Bon, il reste un dernier item à choper dans le grand cristal et j'en aurai fini avec ces deux. Normalement, le dernier objet se trouve en face de nous. Donne-moi ça. La sombre lame de Yagyu. J'ai chopé tous les objets rares que je pouvais choper au grand cristal de Gilvegan. C'est pas du tout ce que j'avais l'intention de faire à la base, mais comme il y avait deux sorts rares qu'il fallait que j'obtienne, je me suis permis de le faire. Donc là, on va rentrer à Rabanastre histoire de se faire un peu d'argent. Et justement, nous y sommes. Et c'est génial. C'est génial, il suffit juste de le dire et on y est. Alors pour le coup, je vais pas vous montrer parce que ça va mettre 15 ans tous les butins à vendre, mais je vous montre juste, voilà, tous les butins que j'ai. Oh la vache. Il y a certains trucs qui valent cher. La liste met du temps à descendre. Oh la vache. Ah oui, on a toutes les gemmes que monsieur nous a données. Que je vais vendre sans hésitation. Et bah, je vous retrouve une fois que tout ça est vendu. Alors, on avait au départ 420 000 gil, on en a maintenant 750. 330 000 gil de plus. On s'approche des 1 million, mais on n'y est pas encore. Il va falloir que je continue à économiser. Mais c'est pas avec les affaires qu'on me propose que je vais tout lâcher, clairement. Que je vais tout garder, je veux dire. Épée cramoisie. Épée sanguine. Ah, c'est bien ça. J'ai enfin débloqué un truc avec une lettre. Tenue de force. Bandeau de chakra, harnais de force, très bien. Ensemble végétal, ça c'est... Ah, c'est pas ce que je pensais. Couronne de laurier, tunique de latex. Potion sacrée. Tu m'as fait payer 36 000 balles pour un élixir. Ah, je me suis fait baiser là par contre. Ils appellent ça des affaires. Oh non, ceinture de vitalité. Oh. Tu sais quoi, quitte à se faire arnaquer, allez, vas-y, j'achète ça. Ah, je suis deg. Alors, je vais continuer ma quête de trouver les sorts et les techniques que je n'ai pas encore. Je vais juste sauvegarder avant parce que j'aimerais faire l'équipement opti de mon équipe. Et comme vous le savez, ça arrive que ça bug. Ah oui, du coup, Van et Balsier sont montés à level 60. Ça approche pour Fran, Bash et Penelo. Et qui sait, peut-être que Ash va être bientôt level 80. Ah, sombre lame de Yagyu. Mais pourquoi... Ah, je vais équiper la sombre lame, mais je vais pas l'équiper de... Effet glas, c'est super, mais il est monté ténèbres. Par contre, c'est pas terrible, ça. Je vais pas l'équiper de... La couronne de laurier, ça leur tire de la force. Ça leur ajoute de la défense magique, mais je m'en fous. Ah, ils veulent que je mette ça sur Balsier, quitte à retirer de la force et de la magie juste pour qu'il ait plus d'HP, quoi. J'étais en train de me demander, mais il est où l'avantage? Je mets ça à Van, plutôt. Ils veulent absolument que je mette les flèches de foudre sur... sur Fran, et ça m'énerve. Bon, ça ira pour... pour Bash, du coup. Quel prochain permis? Donc, soin 5, techniquement, je pourrais aller le chercher, parce que maintenant j'ai 10 éons. Mais je pense que je peux pas aller jusqu'à cette zone sans affronter... Non, de toute façon, on m'avait dit qu'il fallait que j'aille au level 80. Essayons de ne pas faire n'importe quoi. Confusion. Qu'est-ce qui est après confusion? Lumière. Il faut que j'aille au pied du phare de Ridorana. Si je me téléporte au phare de Ridorana, ça m'emmène... Parce que faut savoir que phare de Ridorana, c'est chiant. Parce que même si tu te téléportes, si tu vas aller à un endroit particulier... On est au pied du phare. Des dalles de l'origine. Et c'est quoi le... Pardon. Spirale de l'origine, troisième partie. Ouais, je suis quand même censé monter, donc je vous y retrouve dès que j'y suis.
On est dans la spirale de l'origine, troisième partie, c'est ce qu'il me faut. Alors, il faut que je trouve un coffre dans cette zone. J'espère que c'est pas dans la zone qui est séparée du reste. Faut savoir que je one-shot pas mal de monstres avec hache ici, étant donné qu'ils sont faibles au sacré, regardez. Voilà, donc je leur fais un bon 16 000 de dégâts. Ce qui en général suffit à calmer quelqu'un, 16 000 de dégâts. Hein, on va pas se mentir. Un bloc de rouille. Je porte toujours le bracelet. Alors peut-être là-bas derrière. J'ai plus besoin de les tuer vu que maintenant j'ai libéré toutes les portes vertes. Maintenant j'ai beau les voir, ils ne présentent plus aucun danger. Une météorite. Ah, par contre les rouges, ouais. Ça veut dire que je peux toujours débloquer un passage rouge, du coup, quelque part. Une arcana. Donnez-moi des trucs qui valent plus que 10 gil, s'il vous plaît. Ah oui, c'est vrai que j'avais pas dit, mais du coup, pour la deuxième fois, je change d'arme avec... avec Bash, qui a donc une épée de ninja, et je lui ai donné le gant de Genji pour qu'il frappe... pour qu'il puisse frapper plusieurs fois. Un bloc de rouille. Et ce qui est bien, c'est que comme ça, au moins, Bash, maintenant, il fait des dégâts stables. Même s'il fait techniquement moins de dégâts que feraient les dégâts max d'une hache, qui était à peu près à 3400-3500, là, il fait dans les 2200. Bloc de rouille. Le truc, c'est qu'il fait ses dégâts garantis. Il fait tout le temps 2200. Et si vous vous rappelez, avec la hache, ça lui arrivait très souvent de taper à moins de 1000. Ce qui était assez chiant. Donc au final, non seulement il fait plus de dégâts que les dégâts moyens qu'il faisait avec la hache, et en plus il peut éventuellement frapper plusieurs fois. Pourquoi là le vert il voulait m'agresser alors que normalement les... Bref. Et du coup, oui, H est passé level 79. Vous avez peut-être remarqué. Ah, faut encore que je... Ouais, le coffre est de l'autre côté. Faut encore que je tue un rouge. Donc, évitons les verts qui m'annulent un rouge. Du coup. Il repop pour moi les. Faut que je quitte la zone. Sauf qu'il va falloir que je quitte la zone. Et donc faut que je fasse gaffe à tuer que les rouges, pas les verts. Arcana. Super potion plume tranchante. J'essaie vraiment de guetter quel butin je chope parce qu'il me faut des. Ah c'est vrai que. Il faudrait que je. Ah pardon, j'ai 15 sujets de conversation à la fois. Mais ouais, j'essaie de voir quel butin je chope pour... parce qu'il faut que je chope plein de gil pour pouvoir acheter le truc à 1 000 000 de gil. Et j'ai... À la limite, ma prochaine priorité, ce serait peut-être de choper la technique allonge, du coup. Plutôt que de choper d'autres sorts. Mais bon, de toute façon, j'ai l'intention de faire un petit peu tout. Oula, les framerates, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ce sera encore un problème de place sur mon disque dur? J'ai re-enregistré tellement que ça depuis depuis le temps. On verra bien si c'est ça. Je pense que ça... Ça sera très visible si c'est bien ça. Bon allez s'il vous plaît, il faut juste que je tue un... une tête à flamme rouge là. Bon bah je quitte la zone et j'y reviens. Et je tue pas de tête à flamme verte.
bloc de rouille. Ça se trouve, le coffre, c'est même pas celui qui est là-bas, hein, mais... Bah, au cas où, quoi. Au cas où. Pas trop cette porte, en vrai. Toujours un bloc de rouille. Ils m'ont servi, hein, les blocs de rouille contre Ultima. Quand on m'a empêché d'attaquer, je pouvais faire que des blocs de rouille. Et mine de rien, j'ai l'impression que les blocs de rouille faisaient... sur la fin, plus de dégâts que ne faisaient mon... mes attaques de base. Ce qui est... assez incroyable quand on y réfléchit. Est-ce que je peux avoir une tête rouge, s'il vous plaît? Ah! Non, 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 non! Non, 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 vous laissez ça tranquille. Il est vert. Vous lui foutez la paix. Ah oui, mais Bash soigne parce qu'il tape avec une lame de ténèbres. Même si ça lui dépense plus de mana, ça me fait plaisir quand même de voir Penelo qui maintenant lance Célérité 2. Comme ça, c'est bon, on est tranquille. Tout le monde est concerné. Lumière, ça y est, j'ai gagné. Enfin, j'ai gagné. J'ai récupéré tous les sorts du deuxième... Non, non, bah non. Il me faut glace 2, genre glace 2. C'est dans un coffre, ça, je suis sûr que c'est dans un coffre et c'est pour ça que je l'ai pas chopé. Je vais dire ça tout de suite parce que j'ai accès aux pages sur la magie noire. Glace 2. Ah non, il est vendu et je l'ai pas acheté apparemment. Bon bah je vais acheter ça. Donc j'ai lu que l'un des marchands à Buromusas faisait partie de ceux qui me vendaient ça. Le truc c'est que à Buromusas, j'ai souvent consulté les marchands, mais comme ils sont deux, en fait je consultais souvent lui mais pas l'autre. Et c'est lui qui vend de la magie en fait. Et même des techniques, mais pas de nouvelles techniquement. Ah bah tiens, glace 2. Fury et Ténèbres 2. Comme ça, 3 sont réglés d'un coup. Qu'est-ce qui me manque maintenant? Donc, soin 5. Qu'est-ce qui est après choc, du coup? Après choc, c'est Toxine 2. Inflige de gros dégâts et nécrose aux ennemis à portée. Vendu au passage de Barheim. Quoi? Vendu par qui au passage de Barheim? Genre, Burok, il est retourné là-bas? Ou alors, c'est pas qu'il est retourné là-bas, c'est que maintenant... ils ont changé son staff? Et il avait pas bougé, en fait, il y était encore? Ils ont changé son staff? Vous savez quoi, je vais faire comme j'avais fait précédemment. Je vais désactiver les gambits uniquement de H pour que moi je continue à avancer. Pendant que les autres, ils pourront taper un peu tout ce qui bouge. Si ça bouge. Ça risque de bouger. C'est surtout histoire de... Bon, j'allais dire de récupérer des butins, mais comme en général il tape derrière moi et que j'ai la flemme de faire le retour. Bon, c'est histoire de voilà, c'est comme si on chopait de l'XP pour chaque pas qu'on faisait. Je sais plus c'est dans quel jeu d'ailleurs ça. C'est pas de l'XP, je crois c'est de récupérer des HP pour chaque pas que tu fais. Je sais plus c'était dans quel jeu. C'était peut-être dans Final Fantasy X. Mais du coup en combat ça ne te sert à rien. C'est bien beau d'esquiver nos attaques, mon gars, mais... Une météorite, super. Oh bah, il vend des trucs que je n'avais pas. Je vais les acheter juste histoire d'avoir un exemplaire de chaque truc, comme ça...
Je saurais que ça ne manque pas. J'avais pas l'arbalète de base, ça me surprend. Mais peut-être que lui la vendait là, ici, à l'époque, et je l'avais pas acheté parce que j'avais pas l'intention d'utiliser à l'époque de perso lié. Chronomancien, voilà, c'est ça, je cherchais le nom. Et c'était il y a une cinquantaine d'épisodes qu'on est passé ici, mine de rien. J'ai pas de bombe simple non plus. Bon. Comme ça, j'en ai. Et effectivement, ils vendent Toxine 2. Assez incroyable. Et autant ils vendent des gambits, mais je crois que je les ai tous, hein, de toute façon. Donc voilà. Ils ajoutent du stuff comme ça à des vieux vendeurs que tu consultes plus. Putain, franchement, c'est cryptique. Hein. C'est quoi après Toxine 2? C'est Fission. Foutez-moi. Au sommet du phare de Ridorana. Non mais attendez. Affiche des dégâts extrêmes à un ennemi. Par contre, ça va être OP. On est dans la bonne partie du phare. Spirale des cieux, première partie. Au sommet du phare. C'est la zone qui m'avait saoulé. Mais bon, j'ai pas besoin d'en sortir apparemment. Enfin... Y'a un passage secret qui me permet d'aller là-bas. Ce sont tous des monstres liés aux ténèbres apparemment. J'arrête de dire lié, ça c'est une manie de ma part. Mes joueurs de RP savent très bien pourquoi. Du coup, est-ce que ce serait par là? Mais oui, c'est culaire. Si je vais par là volontairement, la porte ne s'ouvre pas de ce côté. Ça n'active pas les monstres. C'est que si j'y suis envoyé que je... Alors il me semble... Ah mais comment je fais pour les... Pour aller là-bas. Parce que c'est techniquement... la même zone mais... Parce que ça j'imagine... Deuxième partie. J'ai pas envie d'y aller à la deuxième partie. Et si je touche le portail ça va m'y emmener à la deuxième partie. Non, c'est bon. On est au bon endroit. Voilà, heureusement que H les one-shot. C'est pas grave que Bash les soigne après tout. Je garde dans l'équipe pour l'XP plus que de choses. Hein. Mais c'est vrai que... Ouais. Ils ont tous besoin d'XP. Mais j'étais en train de me dire, H en solo XP... Bon, après tout, c'est elle qu'on a besoin le moins d'XP, donc ça sert à rien que je fasse ça. Oui, les enchaînements d'attaques de Bash, c'est tellement mieux pour lui de faire comme ça. 97 Jill. Je me dis, il y a vraiment des coffres que j'avais loupés ici quand j'étais passé la première fois. Surtout que cette zone, j'y suis passé plusieurs fois justement. Parce que. Avec l'énigme qui m'avait saoulé là. Ah, c'est peut-être pour ça. Fission. Et bah ça y est, on a trouvé Fission, qui est un sacré sort de mage noir apparemment, affiche des dégâts extrêmes alors que choc c'est de gros dégâts. On essaiera de voir la diff, là pour le coup j'ai personne dans mon équipe qui peut l'utiliser je suppose. Et donc, après Fission c'est censé être quoi? Ravage... Cécité 2, je pense que j'ai déjà ravage, non? Ah non. J'ai ni ravage, ni cécité, ni cécité 2. What the fuck? Bon. On va trouver ça. Où se trouve ravage? Ravage dans les mines de Luzu, air de repos. Ok, bah j'y vais. Alors, je suis pas encore arrivé, mais j'ai trouvé un coffre à la con, et dedans, il y avait... La barbe de dragon, une des meilleures lances du jeu, sans d'attaque, inaction, sans élément, et qui a 5 d'attaque de plus que la Gungnir, qui pourtant est liée à un élément. Donc bah c'est gratuit, je la prends.
Alors, je suis dans la bonne zone qui est, comme son nom l'indique, une aire de repos. Ça y est, Penelo est passé level 60. J'ai tous mes persos, au moins level 60. Ah, je devrais être très proche. Ah, 109 000 d'XP. Ah, elle aura son level 80 en même temps que Van aura son level 61. À 100 d'XP près. Et donc, c'est très certainement ce coffre-ci. Ravage. Ravage, c'est bien ce que je voulais. On était à où? Ah oui, c'est vrai qu'il faut que j'aille chercher cécité et cécité 2. Et il faut savoir, en fait, que on pourrait croire que cécité, c'est un sort de base très simple à obtenir, mais il faut l'obtenir dans les plaines de Giza. C'est simple, mais c'est juste qu'il faut l'obtenir dans un coffre, et bah, j'ai pas fait le tour de tous les coffres, donc j'y vais. Bon, bah, je suis au bon endroit. Je me dis, ouais bon, je la prends, cécité, c'est clair et net, je m'en servirai quasiment jamais. Surtout si j'ai cécité 2, c'est-à-dire déjà cécité de base, je pense pas m'en servir. Mais si je l'ai en amélioré comme ça, voilà, si je me sers, ce sera de cécité 2 quoi. Mais bon, c'est histoire d'avoir tout, hein, ce serait dommage de rater ça. À cause d'une connerie quoi. Belsier qui lance fission sur des ennemis à la con. Donc le sort de magie noire le plus puissant. Hein. Ok. Est-ce un coffre caché ou quelque chose? Ah, il était un peu caché quand même. Il était un peu caché. Donc on a obtenu cécité. Maintenant il faut que je prenne cécité 2. C'est dans les Landes de Tsita, près d'Éternité. Qui est le pré en question où nous sommes. On en est à presque 600 000 gil, en vrai. Et je continue du coup à choper tout plein de butin en one-shotant tout le monde sur ma route. Ça fait plaisir. C'est super, c'est vraiment super. À chaque fois je me dis, bon bah, je viens ici pour ça. Je continue à XP, je continue à choper des butins. Il faut toujours avoir quelque chose à faire dans ce jeu et on continuera toujours à level up tout seul. Heureusement d'ailleurs parce que... Il y a encore pas mal de levels à avoir. Hein. Après, une fois qu'avec Ash j'aurai accompli le level max, c'est vrai que ce sera beaucoup plus rapide pour les autres. Alors, cécité 2. En général, il cache un peu le coffre. Hein. Bah ouais, c'était celui-ci. C'était celui-ci. Donc on en est à où? C'est le sort après sommeil 2 maintenant qu'il me faut. Et c'est poison, tout simplement. Et il est dans les... Non mais attends, il est dans le désert est de Dalmasca, vous êtes sérieux? Nous sommes dans les sables hauts. Ça devrait aller vite, hein, de toute façon. Désert est, hein, voilà. Faut que je trouve une zone où je suis pas trop allé du coup. Un petit peu plus éloigné. Un petit peu plus caché, bah tiens ça, sans doute. Une météorite, non. Parce que bon, dans le désert est, je pense avoir fait le tour de la plupart des coffres, quoi, mais je vais retirer ça. Un coffre qui fait semblant d'être caché, que j'ai eu la flemme d'aller ouvrir. Comme ça m'est souvent arrivé dans cette série. Celui-là, ça m'étonnerait quand même. Celui-là, peut-être. Et ben voilà, j'ai poison. Faut que j'arrête d'appuyer sur start comme si je savais quelle était la suite. Poison. Donc maintenant, il me faut la Fury. Qu'est-ce qu'il y a après Fury? C'est de la magie verte, ça? Non, non, bah non. C'est pas de la magie verte, c'est de la magie arcanique, je crois. Enfin, des arcanes. Donc. Pardon, c'est une page. C'est long à charger. Qu'est-ce qui se passe? Internet? Please? Le jeu qui est en train de se dire, est-ce que t'es sûr là que tu veux vraiment qu'on regarde ça? Alors ce n'est pas. Merde, j'ai déjà oublié c'était quoi comme. Ah bah c'est de la magie temporelle ça. Fury. Gla, Fury.
C'est Lévitation. Et c'est dans les Landes de Tsita. Bah c'est con, j'y étais tout juste. Bah j'y retourne. Je suis dans la bonne zone. C'est une zone que je n'ai pas trop visitée, donc ça explique le pourquoi du comment. Donc on va trouver un peu les coffres de cette zone. J'ai lu un truc de vent antarctique. Le vent antarctique, je crois que c'est juste un objet que je peux utiliser en combat, donc c'est pas un butin que je vais pouvoir vendre malheureusement. Plante pointue. Ça doit pas être le coffre en plein milieu de la route quand même. C'est en général des coffres un minimum cachés, avec des sorts ou des techniques. D'ailleurs je pense que la plupart des techniques aussi qui vont me manquer, ça va être pareil dans des coffres. Sachant qu'en fait, le truc c'est que les techniques et les magies ne font pas partie des choses qu'on nous propose dans les affaires. Donc quand je vais chercher des armes, les protections et tout ça manquant, il va falloir que je fasse beaucoup d'affaires. Mais en ce qui concerne les magies, ouais, ça risque, les magies et les techniques, ça risque d'être que dans des coffres ou alors un marchand que j'ai loupé ou quelque chose comme ça, quoi. J'ai fait le tour ? Non, j'ai pas fait le tour, il reste encore cette zone ici. Des cailloux, super. Cœur de qualité. Qu'est-ce que j'en vends et récupère des arcanas et des cailloux? Mais il en faut, hein, pour rentabiliser. Lévitation, effectivement, c'était un coffre un peu caché. Faut que j'arrête de cliquer. On va venir dans mes menus. Lévitation. Après, illusion. Ça doit être illusion 2. Ouais, illusion 2 rend les alliés à portée invisible. Bah, il est vendu au col du Mosphore, donc je m'y téléporte et j'achète ça. Alors, le marchand. Est-ce qu'il me vend effectivement ça? Alors déjà, je vais acheter, comme d'hab, les armes. Je n'ai pas au moins un exemplaire. Ça me gâche un peu tout l'argent que je mets de côté, mais bon. Je veux avoir au moins un exemplaire de chaque truc. Bouclier du dragon. Et comme ça, je suis sûr de pouvoir mettre vraiment l'équipement le plus optimal possible. Et si jamais je dois revenir sur un certain équipement pour une certaine raison, je serai paré. Illusion 2. Ok. Il avait que ça que je n'avais pas. Après Illusion 2, il y a Miroir et Miroir 2. Les deux sont également à choper dans des coffres, donc pour Miroir, c'est dans la mer de sable de Girienza, zone de stockage. Je suis dans la fameuse zone de stockage, je n'y étais jamais passé d'ailleurs, apparemment. Donc, ça permet de voir d'éventuelles nouvelles choses. Ah, mais je sais que d'ailleurs, dans la mer de sable, il y a également un esprit... un esprit des espèces de gigantesques élémentaires, là. Qui est unique à cette région. Donc si je tombe sur lui, il va falloir que je l'attaque. Et si je me rappelle bien, c'est genre esprit de Gnoma. Parce que c'était... Je crois que c'était le seul que j'avais réussi à vaincre sur PS2 parce que j'avais fait full mist contre lui. Et j'avais réussi à le tuer. Bah... C'est Salamandre. Gnoma, ça doit être dans une autre région du coup. T'es immunisé contre le sacré. Ça sert vraiment à rien le sacré truc. Bon bah allez,
fait quoi, Balsier? Herbe déco sur H. J'en ai chopé plein des herbes déco. Je n'avais pas tant que ça il y a pas longtemps. Mais d'où tu me... Le mec il m'a lancé parfaitement silence au moment où j'ai lancé une herbe déco sur sur H. Insupportable. Mais non, mais il me le fait deux fois d'affilée. C'est bon, t'es mort maintenant. Tu peux plus le faire. Alors. Faut que je tue un autre esprit similaire pour débloquer complètement la page du vestiaire. Oh, s'il te plaît. Range ton arme. Bloc de rouille, c'est même pas ça. Y a plus de chances que ce soit sur les docks là-bas, enfin sur les docks, sur les... Je me comprends. Bon, les 23 gil par Rutan tué, c'est toujours ça pris. À peu près environ 25 gil par Rutan tué. Sans compter les butins ramassés. Ça fait toujours de l'argent. Miroir. Ça y est. On a trouvé miroir. Miroir. Miroir 2, c'est dans les bois des charmes. Nous sommes dans la bonne zone. Mais du coup, je pensais et je me dis, c'est vrai que tout ce qu'on trouve, c'est un peu sur la route de l'histoire principale. Et c'est vrai que c'est... Techniquement, ça te pousse à te dire, bon bah, je vais chercher tous les coffres qu'il y a... Pour avoir toutes les meilleures magies. Parce que miroir 2, c'est quand même pas mal. C'est lancer miroir sur tous ses alliés. Je pense pas que je m'en servirai trop, mais c'est intéressant comme, comme ça. Une lame gardienne, ok. C'est intéressant comme ça en vrai. Et tu te dis, y a pas moyen de le trouver chez un marchand. Elle est dans cette zone en particulier. Donc quand il passe dans l'histoire, normalement t'es censé. Si foutez là, les Gilveganos. T'es censé, ouais. Le choper quoi. C'est fou comme les behemoths sont même pas. Ils ont même pas le mérite d'être une épine dans le pied maintenant. C'est rien du tout. Vous êtes que dalle, vous mourrez en trois coups. J'aimerais bien que dans ce jeu il y ait un petit système qui nous permette de faire combattre deux monstres les uns contre les autres. Parce que très très franchement je pense qu'un behemoth perd contre un Bacnamus. Ce qui paraît incroyable, mais vu comme le Bacnamus est très fort en esquive et en parade, et doit avoir à peu près... Ah non, il doit avoir plus de points de vie même qu'un Behemoth. Alors, je pense qu'un Bacnamus est plus puissant qu'un Behemoth, ce qui est assez fun quand il y pense. Bloc de rouille. Ah oui, au fait, H, ça y est, il est level 80. Ils sont tous au moins level 60 et H, level 80. C'est un sacré palier de franchi, mine de rien. Un bloc de rouille. Je crois que j'ai fait toutes les extrémités, donc si... Donc le coffre doit se trouver dans... des centres de map. Est-ce qu'il me semble pas que je l'avais, s'il te plaît, dis-moi pas que je l'avais et je suis parti le chercher alors que je l'avais. Non, je l'ai pas. En général, ce type de coffre, une fois que tu chopes... Là, disons, il va y avoir un coffre pour miroir 2. On le chope. Plus jamais ce coffre ne réapparaîtra à cet endroit. C'est pas comme d'autres... Où les coffres ils continuent à réapparaître, c'est juste qu'ils te donnent plus le contenu. Quand c'est des objets rares comme ça ou un sort, le coffre disparaît complètement. Un bloc de rouille.
Ok. Vite l'impression d'avoir fait le tour, c'est une illusion. Je suis sûr que le coffre est là quelque part. Non. Non, bah merde alors. Bon, bah je pense que j'ai fait le tour. Il faut que je sorte de la zone et que j'y revienne, je pense. Ok. J'espère qu'il faut pas que je sorte à deux zones. C'est un peu chiant. Et j'ai pas envie de faire spawn le gong des légumes qui peut arriver des fois. qui peut arriver à tout moment dans cette zone et qui est très chiant. Surtout s'il spawn au level 99. 231 jeans. Extrémité en priorité. Je suis à la moitié de ce qu'il me faut pour acheter le fameux stuff à 1 million. Bloc de rouille. D'ailleurs, j'ai mis un gambit, ce qui fait que maintenant, quand il y a un ennemi aérien, Ash les tape avec un bloc de rouille. Tant que j'ai pas appris à longe, je vais faire ça. Histoire qu'elle puisse se défendre contre eux, plutôt que d'attaquer dans le vide. Et comme on avait vu contre Ultima, les blocs de rouille c'est pas dégueu. Donc comme je vais pas arrêter d'en récupérer grâce au bracelet de diamant, pourquoi pas quoi. 74 jeans. Ok, donc encore une fois il est pas sur les extrémités. Je regarde un petit peu tous les points sur la map. Non. Non plus. Non plus. Putain. Pas trop quoi dire, on est juste en mode recherche de coffre, donc là c'est un commentaire un peu pauvre, j'en suis désolé. Je veux juste trouver ce coffre, s'il vous plaît. En plus, miroir 2, il y a moyen que ça nous serve contre les derniers contrats, certains boss et tout ça. Un bloc de rouille, ok. J'ai pas trompé de zone, hein, c'est bien. Confin de la raison, ouais, c'est bien ça. Encore une fois, j'ai fait le tour, je vais juste vérifier si... Miroir 2, confin de la raison. Bois des charmes, coffre. Confin de la raison. On va essayer de quitter à deux zones, du coup, même si j'avais dit que c'est chiant. Par contre, du coup, ouais, je suis presque sûr et certain par rapport à ce que j'avais dit plus tôt. Ash sera level 90 avant que les autres soient level 70. Hein, vu la progression. Parce que... Elle se détache petit à petit, en fait. La progression d'XP, elle est exponentielle, bien sûr, mais... Mais elle est pas non plus doublée à chaque level. Ce qui fait qu'un perso il faut bien sûr plus d'XP pour qu'un perso passe de level 80 à 90 que de level 60 à 70. Mais
Le... Comment dire? Putain, j'ai perdu le mot. C'est un mot de mathématiques, hein, c'est pour ça que je l'ai perdu. Proportionnellement, quoi, je veux dire, il y a une augmentation, mais l'augmentation est pas aussi puissante en pourcentage, on va dire. Et du coup, comme il y a 5 autres persos qui doivent remplir leur barre d'XP et qu'il y a juste H de l'autre. Si ça se trouve, je vais me tromper, hein, et je me sentirais très con si c'est le cas, mais il me semble qu'elle aura le level 90 avant que les autres auront le level 70. Bloc de rouille, 235 gil. Au moins, on chope de l'argent, hein, ça. On n'en manquera pas. Oh. On en manquera une fois qu'on aura dépensé les 1 million, par contre, ça c'est clair que. Ça me fera tout bizarre d'avoir à nouveau un inventaire avec. Enfin. Un indicatif qui me dit vous n'avez plus rien comme Jill, vous n'avez plus d'argent. Bloc de rouille. Mais non, j'ai pas fait gaffe où j'en étais sur la carte. Bref. Un petit miroir 2, s'il vous plaît. On m'a pas dit pourtant qu'il avait genre 20% de chance d'apparaître ou un truc comme ça, donc moi je m'attendais à le trouver tout de suite, comme tous les autres coffres, pratiquement. Enfin, il y en a un ou deux, j'ai dû sortir et rentrer dans la zone, mais... Pas besoin de le faire 50 fois, quoi. Un bloc de rouille, super. Ah. Miroir 2, ça y est. Et bah du coup, oui. Regardez quelle est la suite avant de passer à la suite. Balance. Portail dans les terres mortes de Nabreus. Donc, ok. C'est marrant parce que c'est dans une zone dans laquelle je suis beaucoup passé, puisque c'est la zone juste après le cristal téléportation qui mène à la nécropole de Nabudis, le rivage sans vide. Ah pardon, j'ai un éternuement qui sortait tout droit des enfers là, je l'ai senti venir. Arrête de soigner les gens, vache. C'est bien qu'on a Sacré et Ténèbres dans l'équipe, donc on est sûr que... Au moins un des deux qui fera mal. À moins de tomber contre un ennemi qui est immunisé aux deux, mais c'est abusé. Alors ici, on sortirait de la zone. Ils sont faibles à la glace, les Patinamus. Ok. Je pense pas être assez fort là. Ça pourrait être ce coffre. Ça ne l'est pas. Celui-là ? Non. Ça peut être celui-là. Ça ne l'est pas. Il y a un coffre là-bas par contre. Voilà. Par contre, les 9000 de dégâts au Bacnamus, ça les calme. Hein. Ah, ils font plus les malins avec Excalibur. Portail, il était effectivement bien caché ici. Quelle est la suite? Non, on commence à bientôt tout avoir. Voilà, il reste plus que deux magies à avoir. Et on aura tout sauf soin 5 qui est un petit peu plus compliqué à obtenir. Et après, on pourra vérifier les techniques. C'est quoi après? Est-ce que ce serait Ténèbres 4, Ténèbres 5? Ça me paraît abusé, non? Ténèbres. C'est mort et fournaise. Mort, on peut trouver ça dans les gorges de Paramina.
Et je viens déjà de voir où il faut aller chercher Fournaise et... Oh là. Bref. Dans le delta de Caridien, donc ici dans cette zone, on peut trouver le coffre. Crevez donc. 197 gil. Gisement vital. 47 gil. Mort. Trouver la mort dans un coffre, pas terrible. Hein. Si tu ouvres un coffre et tu sais comment comment lancer Avada Kedavra. Est-ce celui-ci? Non. Où est ce coffre de malheur? Ok, je pense avoir fait le tour. Ouais. Ah non. C'était un coffre semi-caché, donc j'ai mort. Et maintenant, pour le dernier sort avant soin 5, faut que j'aille tout en haut du phare de Ridorana. J'ai tourné en rond un peu partout, mais je pense avoir compris. Il y a un trompe-l'œil que je n'avais pas trouvé. Alors, c'est pas celui-là. Même si ça me donne un Antares quand même. Je crois que c'est un bon fusil, ça. Et du coup, il y a ce portail vert qui devrait m'amener vers ce qu'il me faut. Je crois. Putain, c'était là! Attends, c'était juste derrière moi depuis tout ce temps, à chaque fois que je suis passé ici. Ou alors il a spawn juste parce que j'ai fait le... Bon, et ben ça c'est fait. Bah vous savez quoi, je retourne à Rabanastre, je vais vendre un peu tout le butin que j'ai. Donc j'ai 530 000 gil, et je me retrouve avec un petit peu plus de 700 000. Pas trop mal, mais cristal de vie. Oh là là! Mais ce qui m'énerve, c'est que je me fais arnaquer. Parce que la haute arcana, ça se vend 100 gil. Hein. Donc je viens de payer 10 000 gil pour un truc que je vais vendre 100 gil. Je me fais arnaquer, mais en même temps, ça me saoule parce que c'est dans les affaires. Je veux pas le laisser dans les affaires, un truc que j'achète pas. Regardez ça, ça se vend 20 gil, c'est encore pire. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Putain! Le jeu me fait perdre mon argent, quoi. C'est pas gentil. C'est pas gentil. Bon. Et bah, je suppose que l'épisode est suffisamment long. Et même, à mon avis, il va être vachement long. Du coup, prochain épisode, on va récupérer les techniques manquantes. Sachant qu'il m'en manque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12. Donc, il y a moyen qu'on fasse ça plus autre chose. J'ai une petite idée de ce qu'on pourrait faire d'autre qui me permettrait de compléter le jeu. Et soin 5, de toute façon, on devra attendre parce qu'on a clairement pas le level apparemment. Mais en tous les cas, je vous remercie d'avoir vu cet épisode et je vous dis à la prochaine sur Final Fantasy 12.